Bonsoir tout le monde, merci d'avoir choisi, eh bien tout simplement Lance Foot pour démarrer votre soirée. Nous sommes donc le lundi 23 août les amis, et nous allons recevoir une Dream Team. Alors là franchement vous allez m'en dire des nouvelles, avant de saluer tous les supporters, là vous arrivez, vous êtes très nombreux, on a vu plein de messages dérouler pour cette attente de quelques minutes. Il y en a de l'étranger, il y en a de la Suède, il y en a de Majorque, il y en a du Canada, ils sont avec nous. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous hebdomadaire, Lance Foot, le débrief. On a parmi nous ce soir, on accueille une partie de la Dream Team des consultants sans erreur. Il est là, Sylvain Charlet, fidèle au poste. Salut hello. Sylvain. Hello, hello. Salut. Va falloir que tu t'approches un peu plus de ton micro, mon Sylvain, on t'entend un peu éloigné. Exactement, je m'approche. Voilà, c'est bien. Il obéit, ça commence bien. Oula. Rémi, si je viens de par ma tête, de ça m'a fait peur. Bonsoir à tous. Salut Cyril, salut Sylvain. Et puis alors attention, c'est une première qu'on les réunit pour une toute première fois dans ce lance-foot. On va accueillir la nouvelle recrue de cet été, c'est Jean-Guy Wallem, vous l'avez déjà vu dans lance-foot l'avant-match. Salut Jean-Guy. Bonsoir à tous. Ça va Jean-Guy. Tranquillement. Et attention, il est là. On nous l'a réclamé, je peux vous dire que ça fait 15 jours qu'on m'en réclame sur les réseaux sociaux. Eric Sikora par-ci, Eric Sikora par-là. Qu'est-ce qu'il fait? On le voit plus. Ça y est, il fait plus partie de Lance Foot. Regardez où il est. Oh, quel beau gosse. Je suis là, je suis présent. Le patron. Il fallait renégocier le contrat. Ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est bon, c'est fait. J'ai fait une bourraque, Sylvain. Voilà, je peux rester finalement. C'est l'étang qui a négocié ton contrat? Non, Didier Roudet. Ah, non, je plaisante, c'est un ami, Didier. Bon, messieurs, on est donc en direct pendant un petit peu plus de 30 minutes pour Lance Foot, le débrief avec vous tous, supporters. Vous êtes, ça y est, ça commence à arriver de plus en plus. On est en direct donc sur Facebook, sur Twitter et également sur YouTube, bien évidemment. On va démarrer sans plus tarder, les amis. Eh ben, c'est le débrief. C'est parti. Victoire donc sur Monaco, 2-0. Le RC Lens est invaincu après trois journées de Ligue 1. Une première depuis la saison 2004-2005. Avant de vous entendre, célèbre et talentueux consultant que vous êtes, messieurs, on va laisser la parole à un autre consultant qui ne fait pas partie de la Dream Team, peut-être un jour. Eh bien, c'est Thierry Henry. Écoutez. Ah, pas mal. Je vois une équipe comme Lens qui est montée l'année dernière, qui vient à Monaco pour jouer. Pour jouer là, pas là-bas, pour jouer là. Mm-hmm. Un tir au but, mais c'est le football qui me parle. C'est un football contagieux. Comme on peut le voir, c'est contagieux. Je voulais aller sauter avec vous sur le côté là-bas. Parce que quand on voit un banc comme ça, les gars sont contents, les mecs sur le banc sont contents, le gardien était content, ça danse sur les buts. Mais c'est l'envie. Et je dis bien souvent, je reviens, souvent on parle d'une défense à 5. Pour moi, c'est une défense à 3. C'est pour envoyer les latéraux, chercher les autres latéraux et bien bien sûr. Messieurs, c'est un football contagieux, notre Franck Hez. Eh bien, c'était sa soirée, Eric. Après, c'est logique. Hein. Après, par rapport à la saison dernière, je crois que c'est la continuité. Il y a eu très peu de changements. Donc, des principes de jeu qui sont connus de tout le monde et les joueurs qui sont partis ont été remplacés. Et aujourd'hui, c'est la suite logique, je dirais, sur les deux premiers matchs. Il y a eu deux matchs nuls, mais qui auraient mérité un peu plus. Et là, je pense que le travail et le match a prouvé que cette équipe lensoise était capable de mettre en difficulté pas mal d'équipes. Et c'est ce qui va encore se passer cette saison, parce qu'elle a des envies, elle veut aller gagner, elle veut imposer son jeu. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé à Monaco. Et ce qui est intéressant... Quand tu vois l'image, je n'irais pas dire que Franck est gêné, mais il est touché intérieurement, mais je trouve qu'il intériorise vachement. Et la saison dernière, déjà, régulièrement, on lui faisait part des critiques positives d'autres coachs. Et souvent, il ne s'est penché pas sur le sujet, en fait. Je ne sais pas s'il est gêné par ça, mais après, il a aussi son avis, c'est de se dire, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Mais je sais, je suis entraîneur et demain tout peut changer en fait. Je pense qu'il profite. Il est heureux d'entendre Thierry Henry lui dire ça. Mais il se dit que demain ça changera peut-être en fait. Bah, il y a un regard admiratif. Ouais, mais tu peux demander à Jean-Guy. On a été coach.
Il faut savoir profiter, mais tu sais que le foot, ça va très vite. Et dans deux journées, ça peut être l'inverse. Donc, voilà. C'est important. Mais le fait que ça vienne de Thierry Henry, pour un coach comme Franck, c'est hyper important. Quoi. Et c'est que des éloges, en fait. Jean-Guy. Ah bah, je donne la parole à Jean-Guy. Jean-Guy, part. Ah bah ça, il va me la refaire. Un petit mot sur ce message et de ce compliment de Thierry Henry, Rémi, rapide. Non mais c'est exceptionnel. Puis on voit dans les yeux de Franck toute l'admiration, le fait de vivre ce moment qui est assez incroyable. C'est comme Thierry Henry qui lui fait des éloges assez exceptionnels et qui sont tout à fait mérités. Il faut quand même saluer aussi le parcours de Franck qui vient de si loin qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. On se souvient quand il a été mis entraîneur du Racing il y a un an et demi en remplacement de Montagnier. Il y avait beaucoup de critiques en disant il n'est pas expérimenté, etc. Il a fait taire tout le monde et aujourd'hui on est tous admiratifs de son parcours, de la patte, de ce qu'il apporte vraiment au Racing et des valeurs qui sont vraiment en phase avec les valeurs du club. Je vais un peu chambrer avant de donner la parole à Jean-Guy. Le meilleur entraîneur des deux, ça reste quand même Franck Haise. Moi, j'attends encore que Thierry Henry nous démontre qu'il peut être le numéro 1. Je me permets quand même. Tu prends pas de risque. Pas pour le coup. Ouais. Non, mais je pense que Franck Haise, pour l'instant, alors je ne vais pas dire qu'il est jeune dans le métier, mais il a une crédibilité qui s'accentue au fur et à mesure des saisons et des matchs. Mais il n'a pas l'impression d'avoir cette légitimité par rapport à d'autres. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sur la réserve. C'est qu'un avis, hein. Mais c'est très bien ce qui lui arrive. Il est tellement humble. Oui, ouais. Mais comme il débute, entre guillemets, un peu, et qu'il a eu l'opportunité, qu'il a très bien saisi les saisons précédentes, il a l'impression de ne pas faire partie encore du gratin. Et c'est pour ça qu'il sait aussi, quelque part, par les amis qu'il a pu connaître dans la profession, que ça va très vite. Donc, attention. On va enchaîner avec cette une, l'équipe type de cette journée de Ligue 1 avec nos confrères de l'équipe. Regardez, elle est magnifique. Le RC Lens est vraiment à l'honneur. Donc, avec Ganago, bien évidemment, on a nos deux défenseurs, Grady, Danso, et puis Franck Haise, donc entraîneur de cette semaine. Un petit mot, Eric, sur cette équipe. Ça fait quand même rêver quand on voit une équipe type comme ça le lundi dans le journal de l'équipe. Ah, c'est toujours positif, hein. C'est pour le club, ça montre aussi que le travail est fait par le coach, parce que souvent on parle des résultats, mais on met toujours le coach un peu en arrière. Le coach, il ressort souvent quand les résultats sont pas bons. Donc le fait de parler de Franck dans ces bons moments-là, c'est aussi une bonne chose pour l'entraîneur. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'arrivée de Danso pour un premier match, il est déjà dans l'équipe type. Donc, c'est un atout supplémentaire pour l'effectif de Franck. Et moi, on a gagné, il a perdu. Ouais, c'est vrai. Souvent, Jean-Guy dit bien de dire ça, parce que quand on gagne, c'est les joueurs. Quand on perd, c'est le coach. Et c'est un métier très difficile. Donc, ça, c'est bien de parler de Franck et du staff, parce que généralement, on parle des résultats, mais on ne parle pas des entraîneurs. Et c'est très bien de parler de lui dans ces moments-là. En plus, un gars comme Thierry Henry, c'est quand même, c'est porteur, ça dit quelque chose, voilà. C'est pas le boulanger du coin. Exactement. Il fallait oser. Juste, on a Elisabeth qui écrit, excuse-moi, Elisabeth qui écrit, quel plaisir de voir Jean-Guy et Eric côte à côte, comme à l'époque. Puis on n'a pas changé en plus. Ah si, vous avez pris un petit coup dans la gueule, les gars, quand même. Non, je rigole. Cyril, jamais. Tu m'as envoyé 2000 textos pour que je fasse la première aujourd'hui, et là, tu okay, il insulte en direct. Tu es grandi. Non, mais oh, sérieux. Sérieux. Mais c'est de la c'est pas bien, c'est pas bien, ça. Attention, monsieur Jamais, j'ai des dossiers. Attention. Ah là 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 là. Bon, les amis, grosse performance donc collective sur ce match face à Monaco. On va débriefer tout ça. On va regarder déjà les stats qui parlent, puisque regardez, 71% de possession de balle pour Monaco. On a fait 4 tirs seulement, 2 tirs cadrés et 2 buts. Eric, Rémi, ces stats. Après, les stats… Tu peux avoir la possession, mais si tu as la possession, que tu n'as pas de situation de but. Après, tu peux avoir 30% de possession, être bien en place, et dans la transition, être parfait, et puis poser les problèmes à l'adversaire.
Et je pense que Lens a aussi appris de l'année dernière, où c'est une équipe qui jouait et de temps en temps, elle se faisait coincher, elle se faisait contrer, elle prenait des buts. Et là, je pense que le travail aussi du coach et du staff, c'est que bien défendre ensemble et être bien en place. Par contre, dans la transition, ils sont hyper efficaces. Et aujourd'hui, le résultat compte, mais il y a le résultat et il y a le jeu. Donc, quand tu arrives à allier les deux, c'est extraordinaire, c'est top. C'était une possession assez stérile pour Monaco. Oui. Et en soi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le Racing, qui souvent la saison dernière, c'est peut-être cette petite différence qu'on peut faire sur ce match-là, était souvent ultra dominateur dans la possession de balle et n'avait pas toujours les résultats. On se souvient de matchs notamment à Angers, à Reims. Et ben, ça démontre que sur un match comme Monaco, on peut laisser le ballon à l'adversaire et finalement être décisif aussi offensivement. On a beaucoup été critiques, notamment la semaine dernière après le match contre Saint-Etienne, sur le fait qu'on n'était pas forcément assez réaliste offensivement. Là, on l'a été. Des bons choix du coach, des bonnes entrées en matière de certains joueurs, je pense qu'on en parlera dans quelques instants, notamment avec Danzo. C'est un match super pour la suite de la saison et ça lance vraiment la saison du Racing, comptablement parlant. Mais on peut parler. Oui, c'est vrai que là, il y a eu un message à l'instant. Il y a quand même eu l'infériorité numérique qui fait que sur la dernière demi-heure du match, tu n'as quasiment pas le ballon. Mais en première période, par exemple, Monaco a passé son temps à faire gauche-droite depuis sa surface de réparation. Ils ont pris énormément de risques. Et ce qui était fort dans l'approche tactique de Francaise et de son staff, c'est d'avoir osé aller chercher les deux milieux relayeurs récupérateurs qui étaient Tchouaméni et Jean-Lucas. Et quand on connaît la qualité de jeu vers l'avant, de transition de Tchouaméni, c'était vraiment osé. C'est-à-dire que ces deux-là, en fait, il y avait quasiment, c'est Thierry Henry d'ailleurs qui le rappelait à la mi-temps, il y avait marquage individuel quasiment de Fofana et de Kakuta sur ces deux-là. Et les mecs de derrière étaient obligés de sauter le milieu de terrain. Et ça, vraiment, tactiquement parlant, c'était super bien joué de la part des Lensois. C'est vrai que quand on voit là, le RC Lens n'a eu que 19% de possession en seconde période, 70 passes, 43 réussies. Et donc, je vous le disais, deux tirs, deux cadrés, deux buts. Jean-Guy ? Mais ils ont été bons dans leur temps fort. On l'a dit, la possession, moi je l'ai vécu un peu ce week-end, c'est bien d'avoir le ballon, mais quand on a des temps forts, il faut être tueur. Et quand on a des temps faibles, on était un peu fragile et l'adversaire en a profité. Et vous mettez en avant l'aspect offensif, mais moi je mets aussi en avant l'aspect défensif. Ils n'ont pas pris de but. Et depuis deux matchs, ils en avaient pris. Et souvent, par des erreurs individuelles ou de leur faute. La touche de... c'était Klose, c'est ça, la fois dernière ? Ouais. Bon, et c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Danso a amené une sérénité. Tant mieux, j'espère que ça va durer. Ils ont sorti c'est le cas de le dire, il me semble, ou Fortes, qui pour moi avait été sur c'est facile, hein, on a vu le match, donc on a vu le film, on le raconte, mais les deux buts à Rennes, j'avais dit, il faut qu'il ferme le pied fort de l'attaquant rennais, ou à Bollard, il ne ferme pas, c'est Banga, il me semble, sur la touche, ouais. Bon bref, et ils ont donné trop d'opportunités à l'adversaire, et là, ils n'en ont pas donné, même à 10, ils ont défendu en avançant quand ils étaient à 11, après derrière, ils ont fait un bloc bas, mais voilà, et ils ont eu de la transition, où ils ont été tueurs. Donc, le coach de Monaco disait, on a l'impression d'avoir la maîtrise du match, mais l'adversaire est toujours, je vais retirer ces mots, plus haut que le nôtre, est toujours plus agressif que notre bloc. Donc, ils peuvent refaire le match, certainement à Lorient, ils méritaient de le gagner. Bon, le Shakhtar, je pense que ça a joué aussi mentalement, parce qu'ils ne sont pas éliminés, ouais. Parce qu'il reste un match, mais ils ont quand même perdu 1-0 chez eux contre une belle équipe du Shakhtar. Mais on attend, et pourtant, ils n'ont pas changé beaucoup de joueurs. Alors, le Père Noël avait changé de camp, hein. Le cadeau du gardien, cadeau Pavlovic, cadeau d'Enrique, ça fait beaucoup. Hein. Et ouais, juste beaucoup une stat par rapport au match sans but encaissé, avant celui-là, un seul clean sheet sur les 16 derniers matchs, et c'était déjà face à Monaco lors de la 38e journée de Ligue 1. Il fallait remonter au match face à Rennes, à Bollard, pour les voir ne pas encaisser le moindre but. Donc ça, c'est quand même un élément important. Alors, est-ce que c'est lié à la seule première titularisation de Danso ? On verra si ça se confirme ce week-end. Si Grady, il a été aussi énorme et régulier. Et Medina, de mieux en mieux. Ouais, ouais. L'inquiétude, c'est un peu Machado, entre guillemets. Mais les autres ont été tellement performants que le point faible, si je puis dire, même s'ils ont gagné, donc tout va bien, c'était plutôt Machado sur le piston gauche. Mais voilà. L'entrée en matière de Kevin Danso, elle est formidable parce que c'est vrai que c'est le changement majeur de ce mercato avec le départ de Loïc Badé. Tu perds une valeur sûre et au final, son entrée en matière est très bonne. Il y a encore des automatismes à travailler.
Et finalement, il a été extrêmement rassurant. Medina aussi, c'est vrai que Medina, ce qu'on pouvait critiquer vis-à-vis de lui l'année dernière, c'est notamment son irrégularité. Il est en train de monter en puissance, donc c'est plutôt une bonne chose. Puis Jonathan Grady, qui est voilà, en très bonne forme, qui fait des performances, qui est vraiment en train d'enchaîner, de confirmer et de s'affirmer comme le patron de la défense. Et Frankowski qui fait une belle rentrée en plus. Ouais, on parle hyper polyvalent. On parlera de Frankowski dans quelques instants. On va rester sur ce trio défensif. Eric, question, est-ce que selon toi, le RC Lens a trouvé sa défense type avec le trio Grady, Danso, Medina? Après, Grady et Medina, on les connaissait. C'est vrai qu'on avait souvent dit l'année dernière, Medina, il avait des petits soucis de concentration dans la relance ou dans l'aspect défensif. Aujourd'hui, moi, je vois un gars qui physiquement est prêt. Il perd peu de duels, même dans la relance, il perd moins de ballons. Après, Danso, il vient compenser le départ de Badé, mais Danso, il a aussi un peu d'expérience, il a joué au niveau. Donc, aujourd'hui, après, avec l'expérience, tu t'adaptes. Et ce qui est important aussi dans le schéma, parce qu'on parle des défenseurs, mais c'est une équipe qui a très peu bougé, le 11 Lensois, en fait. Donc, les principes de jeu, offensifs ou défensifs, tout le monde le connaît. Après, si tu es intelligent, on a été joueur avec Jean-Guy. Tu connais. Oh, tu es de la moyenne, Jean-Guy. Mais ce que je veux dire, après, c'est t'as la barrière de la langue. Mais après, si t'es attentif, si t'as envie de t'intégrer vite, tu fais attention et tu connais les principes de jeu et tu t'adaptes rapidement. Et puis, je pense qu'à Lens aussi, t'as le staff, t'as les joueurs et tout est fait pour l'intégration, quoi. Ça facilite aussi les choses. Moi, je dis, ils ont peut-être trouvé leur trio. Alors, moi, je reviens sur Grady parce qu'il est quand même dans la durée depuis un moment. Il a une lecture de jeu au-delà de son activité et son poste. Il a une lecture de jeu. Il a coupé beaucoup de trajectoires quand même. Il est précieux là-dedans. Donc, je dis oui, tant mieux. Mais non, parce qu'il peut toujours se passer des choses, une suspension, des blessures. Et il faut quand même que les garçons restent concentrés derrière, même s'ils jouent moins. Donc, il y aura peut-être un turnover de mise en place. Mais t'as des options, Jean-Guy. T'as un paquet d'options, en fait, aujourd'hui. Oui, mais ce que je dis, c'est que les options, Fortes a peut-être besoin encore de s'aguerrir, je ne sais pas. Ou j'ai pas vu assez de matchs la saison dernière, honnêtement. Et ce n'est pas sur les trois matchs-là, les deux premiers que j'ai vus. Fortes, il a plus que dépanné. Ça a parfois été un peu compliqué pour lui. Mais sincèrement, sur l'ensemble de la saison, moi, j'ai trouvé que dans la rotation, il pouvait vraiment rendre des services parce que derrière dans l'axe aussi. Il est mieux axial. Après là il y a du monde derrière, tu regardes parce que là on a ces trois là, mais derrière tu peux aussi t'appuyer sur Boura qui a donné des services. Il y a Aïdara. Aïdara il est blessé là. Oui non mais ce que je veux dire dans l'absolu. Après le petit Boura c'est plus un piston gauche qu'un défenseur central. Oui mais il a pas démérité quand il a été. On parlait du trio. Mais vaut mieux que ça dure parce que je pense que la force de Hez, et je l'avais dit la saison dernière à des collègues à vous, c'est qu'il optimise le potentiel de ses joueurs dans ce système-là. Si aujourd'hui il y avait une problématique, même s'il y a du monde, est-ce qu'à 4 ils peuvent jouer, s'adapter, c'est pas la même histoire. Mais tu t'es renforcé en défense, hein. Je veux dire, Christopher Wu, voilà, peut-être qu'il y a peut-être eu quelques approximations sur les deux premiers matchs, mais on a vu tout son potentiel et il jouait pas forcément à son poste de prédilection. T'as Danso qui fait une très bonne performance pour sa première, donc ça c'est plutôt pas mal. Après on verra notamment si Steven Fortes reste au Racing parce que ça fait partie des incertitudes sur cette fin de mercato. Patrick qui nous écrit où jouera si blessé ou absence plus la rotation dans les semaines avec deux matchs plus les coupes, forcément c'est clair que ça va tourner. On va rester sur Danso parce que vous en doutez, il y a eu un café crème. Et qui est café crème? On va le savoir. Et le café crème des supporters, regardez. C'est Danso avec 57% des votes. Les supporters ont donc voté en nombre. Ganago, deuxième avec 17%. Et puis ensuite Sotoka et Fofana. Danso, on disait, on va regarder ses stats. Regardez les stats de Danso sur ce match. Passe réussie, 76%. 7 duels gagnés sur 8. 67% de tacle réussi et 3 ballons récupérés. On va dire que c'est encore une sacrée bonne pioche côté Mercato, Danso, sur ce, et puis il le prouve avec ce match. Il faut toujours être vigilant, on ne peut pas juger sur un match, mais c'est quand même une très bonne entrée en matière.
T'es arrivé il y a deux semaines, c'est ton premier match. Il y a quand même une barrière de la langue aussi. Donc, tu es dans une équipe qui tourne déjà depuis l'année dernière. Hein. Je veux dire, c'est lui qui doit trouver ses automatismes. Donc, oui, c'est une première entrée en matière qui est vraiment brillante et très prometteuse. Il faut toujours avoir l'humilité de dire que c'est vrai que les recrues qu'on a vu arriver cet été, on ne les connaissait pas pour la plupart. On ne les avait pas vues jouer. Donc, on les découvre en même temps que les supporters. Et on est agréablement surpris de cette trouvaille des dirigeants lensois, encore une fois. Sylvain ? Non, mais c'est pour l'instant, en effet, c'est costaud. Mais comme dit Rémi, il ne faut surtout pas se précipiter. Il ne faut surtout pas être définitif dans l'analyse. Mais c'est vrai qu'en joueur axial de cette défense à 3, je trouve que c'est un très, très bon profil. En plus, avec sa taille, forcément, il apporte dans le domaine aérien. Il est hyper costaud. Forcément, dans les duels, c'est quelque chose. Alors, voilà, c'est vrai que pour l'instant, on est séduit par ce qu'on a vu et on espère qu'il va avoir l'occasion de confirmer ça très, très vite. Et moi, voilà, je poserai la question à Franquette. Je suis curieux de savoir en quelle langue ça parle derrière. En Corse, en anglais, en ch'ti, en allemand, en ch'ti. Parce que quand même, après, ça va pas être évident. Ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est la... On parle du terrain, de l'effectif, du jeu, mais c'est la cellule de recrutement quand même. Parce que tu perds Badé et derrière, tu es vite réactif. Quoi. Tu prends Angou, tu prends Panso c'est des bons joueurs. Donc, il faut aussi mettre en avant la cellule qui travaille avec le coach et qui travaille super bien en fait. Puis c'est des jeunes joueurs. Ouais, non mais voilà. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est aussi bon. Pour la valeur du club. C'est-à-dire qu'il faut aussi... On lisait la semaine dernière l'interview de Joseph Ougourlian, il y a aussi la question financière qui est très importante. Le Racing, dans ses recrutements, va souvent chercher des jeunes joueurs. Christopher Roux, en plus, libre. Donso, ça a l'air d'être une bonne opportunité malgré le prix qui a été investi. Et ça, c'est toujours des bonnes choses aussi pour le club à l'avenir. C'est que les actifs du club en termes de joueurs, c'est des valeurs qui sont investies, qui sont aussi des potentiels à revente dans 2-3 ans intéressants. C'est peut-être parfois un peu compliqué à dire, mais c'est une réalité dans le foot moderne. Alors justement, tiens, puisqu'on est en train de parler de la réussite du mercato lensois, Eric, il me fait une passe décisive, puisque je vais vous parler de Frankowski. Ah ouais, Frankowski, c'est 3 apparitions, 88 minutes de jeu. C'est un Polak comme on aime. 88 minutes de ça jeu. Faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps. Ouais. International polonais, il a fait 2 passes décisives déjà, acheté 3 millions d'euros, 26 ans, international. J'ai envie de dire bravo, monsieur Gisolfi, non ? On n'arrête pas de lui dire en fait. Je crois que c'est la 4e fois de l'émission qu'on a envie de lui jeter les fleurs. Mais très logiquement. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est un joueur qu'on n'avait pas vu jouer. On le découvre avec le Racing cette année. En plus, il remplace un joueur comme Clément Michelin qui, pour moi, n'avait pas été performant la saison dernière. Il faut le dire, il fait partie des joueurs qui étaient une déception, qui font partie des déceptions la saison dernière. J'avais une question. Et qui est polyvalent pour lui. Il est droitier, Michelin. Ouais, Michelin, ouais, droitier. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que Frankowski, en fait, tu recrutes un autre joueur donc, qui apporte quelque chose, qui est assez décisif sur ses premiers matchs, et en plus de ça, qui est polyvalent, donc qui apporte… partout. C'est ça qui est bien, parce que quand tu penses notamment à la CAN en janvier Polonais. Prochain… C'est ça les Polonais, qu'est-ce que vous c'est bien. Mais là, il est venu pour remplacer Klose, mais il a joué piston gauche quand il a remplacé Machado. Et en fin de match, il était attaquant de soutien parce que c'est lui qui va récupérer le ballon dans les pieds du défenseur. Et c'est d'ailleurs, j'avais regardé les dernières compos des Chicago Fire, là où il évoluait en MLS. MLS. Et notre petit Frankowski, il jouait de temps en temps en attaquant de soutien en fait. Donc là, pour l'instant, on l'a vu partout. Sauf au poste où il a été recruté, je pense, c'est remplaçant de Jonathan Klose. Donc, on va attendre un peu alors. Ouais, doucement. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de justesse dans ce qu'il a fait. Face à Sainté, il temporise dans la surface. Alors, il est à gauche sur son pied droit. Donc, forcément, il revient intérieur sur son pied droit. Il fixe bien, il donne à Fofana. Et bon, après, là, face à Monaco, il a été vigilant. Son adversaire a fait n'importe quoi, mais surtout ça passe, elle est dans le bon tempo pour Banza. Non, vraiment pour l'instant, vraie réussite aussi pour lui. Classement des cafés crèmes, Seko Fofana est déjà en tête. Hein. Il commence fort cette saison avec 2 cafés crèmes. Il n'en a pas 2, il en a 8 normalement.
Et Kevin Danso. Il aurait pu, parce que là, bon, Danso, c'est une découverte, donc je pense qu'ils ont voté aussi pour ça, mais ils pouvaient l'avoir encore cette fois-ci, honnêtement. Ouais, je pense aussi. Hein, je pense aussi. Les attaquants qui marquent, est-ce que c'est la fin du débat, le fameux attaquant, il nous faut de l'attaquant, puis on parlera, tiens, du hashtag Kalimuendo dans quelques instants. Mais avant, les attaquants, donc 5 buts cette saison, 2 buts pour Ganago, 1 but pour Banza, donc 2 pour Fofana. Il est attaquant Fofana de toute façon. Donc. Ouais, Ganago, 51e. Il a marqué, tiens, Ganago a marqué le 1100e but du Racing à l'extérieur en Ligue 1. Ça, c'est le genre de stade que Sico adore. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est Opta Sico. C'est Opta Sico. Ah, j'adore. Moi, je me suis arrêté sur Johan Lachor, moi, à l'extérieur. C'est extraordinaire. Et donc Simon Banza, tiens, bah, autre stade qui plaira à Monsico, Banza a marqué son 11e but après avoir été remplaçant. Voilà. Ben, mais souvent on le critique, Banza, mais il est là. Il est quand même là, il met des buts. Et bah, justement, est-ce que c'est la fin du fameux débat attaquant, il nous faut un autre attaquant ou pas, Eric? Après, il manque encore Wesley Saïd, qui est toujours blessé, donc ça fait un atout supplémentaire. Après, s'il se remet rapidement, je pense que tu as ce qu'il faut. Après, je pense que ça fait peut-être un peu juste, mais bon, on verra si il va retrouver son niveau qu'il avait auparavant. Alors, après, là, sur le mercato, c'est une question d'opportunité aujourd'hui. Tu vas pas aller, enfin, de ce que je comprends dans les mots de Francaise la semaine dernière, qui était légèrement agacé sur le sujet de l'attaquant. Voilà, Lens ne va pas aller mettre 15 millions sur un buteur. Je pense que s'il se passe quelque chose, on en a déjà parlé, ce sera une opportunité de fin de mercato, pourquoi pas sous la forme d'un prêt, avec option. Et d'équilibre de vestiaire aussi, je pense. Une question de départ aussi, parce que peut-être le départ de Corentin Jean, justement, qui a un temps de jeu très faible en ce début de saison, je pense que ça se joue aussi là-dessus, parce que tu parles d'équilibre de vestiaire. Pour moi, je pense que c'est très important de recruter un neuf, mais la seule nuance qu'on peut mettre, c'est par rapport à l'équilibre de vestiaire. On voit aujourd'hui, c'est vrai, que Simon Banza a un temps de jeu qui est assez faible. Si tu as un neuf qui arrive en plus, comment tu l'intègres dans tout ça? Moi, je pense que c'est assez important quand même. Tu as perdu Arnaud Kalimuendo, qui était un élément très important la saison dernière. Tu as le point d'interrogation Wesley Saïd, peut-être qu'il va être très important, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment te reposer seulement sur un point d'interrogation par rapport à son retour? Je trouve ça un peu délicat. Donc, s'il y a une opportunité qui se dessine, je trouve que ce serait pas mal. Alors, autant pour Corentin Jean que pour le Racing, de trouver, pourquoi pas, un jeune joueur à fort potentiel qui pourrait, pas forcément un titulaire indiscutable, mais un jeune qui monte progressivement. Après, il est quand même à 5 buts en 3 matchs. Hein, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Il y a des occasions, donc il n'y a pas non plus péril en la demeure. Hein. Quand je dis l'équilibre de vestiaire, c'est qu'il y a des joueurs qui s'entendent bien forcément. Alors, ça tourne encore mieux. Ils se connaissent. Je pense que le collectif est important dans la conception du coach. Donc, est-ce qu'un grain de sable, même s'il amène une opportunité et du talent offensif, ne viendrait pas justement perturber cet équilibre-là? Je pense qu'ils peuvent attendre, si les résultats continuent, et je l'espère pour eux, le mois de décembre éventuellement. Alors, mais même l'année dernière, le coach il avait mis en avant aussi Corentin Jean. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentrait, il avait quand même fait, il avait été performant. Je me souviens sur certains matchs. C'est un mec qui travaille, il est dans le groupe, il ne joue pas trop. À chaque fois qu'il est rentré, il se mettait aussi au niveau. Donc, comme dit Jean-Guy, ou comme vous dites, il y a un équilibre de vestiaire aussi à avoir. Et tu connais ce que tu as, quoi, en fait. Tiens, il y a Christophe qui dit, il y a Ronaldo aussi qui cherche un club, si ça l'intéresse. J'ai vu, il est en remplaçant. on va revenir tiens, sur le cas Kalimuendo, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un hashtag qui a circulé sur Twitter. C'est parti d'une envie, on avait envie de crier un petit peu notre amour, les tweetos, crier notre amour à Kalimuendo. Ça a pris une très grosse ampleur. Est-ce qu'on a des news sur la possible arrivée de Kalimuendo? Sylvain, je sais que tu as quelques petites news. Où est-ce que ça en est là, concrètement? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le joueur se pose beaucoup de questions sur son avenir immédiat au Paris Saint-Germain. Il a vu arriver le petit Lionel. Il sait qu'il y aura très peu de place dans la rotation. Si en plus, Icardi ne quitte pas le Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Donc voilà. Aujourd'hui, il se dit, c'est peut-être le moment vraiment de faire mes valises. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, le retient, essaie de le convaincre. Mais lui, il veut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et pour l'instant, sa priorité, ce n'est pas de revenir à Lens. Voilà. Aujourd'hui, il se pose clairement la question d'aller voir ailleurs.
Mais Lens, ça reste une option, mais ce n'est pas la première des options. Parce que là, il a joué 8 minutes en 3 matchs, quoi. Ouais. Alors que tu as ni Messi ni Neymar, donc en gros, ça veut dire qu'il va. Le début de saison montre qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu avec le PSG. Lui qui au début pensait, via la préparation, convaincre, bah, peut-être qu'il a montré des bonnes choses, mais pas assez. Puis en même temps, il y a une concurrence qui est assez incroyable quand tu as des Messi, Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria. Enfin voilà, c'est une autre planète. Donc c'est sûr que Kalimuendo, tout le monde va le chercher. Enfin, moi, je n'ai pas le permis, j'habite à Paris, je te le ramène. Il est où le chien? Que Dru. Où est Franck? Allez me chercher Franck. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? Moi j'ai pas de chien à la radio. Moi non plus, y a rien. Moi non plus. Je démonte tout. Moi non plus. Moi j'ai pas de chien, j'ai une chienne. Mais je peux Comment elle s'appelle? Après ça c'est ton problème. Ça nous regarde pas, Cyril. Oh, le robot, il avait été sage depuis le début de l'émission, je te jure. Tu peux pas, mais je m'en doutais. Et je te jure, tu sais, quand tu commences à dire des choses et au bout de 3 secondes, tu dis « Oh merde, j'aurais pas dû dire ça ». Eh ben voilà. Cyril, t'as du haut niveau là ce soir. Faut faire attention à ce que tu dis. Merci, coach. Ah, t'es la petite plaisanterie du soir. Eric, j'ai regardé, mais après je te laisse, Cyril. J'ai regardé votre best-of, là. Qu'est-ce que tu leur as mis aux journalistes, quand même? Moi? Mais c'est une violence. Moi? Et on est toujours là, on résiste. Hein. Je peux te dire qu'on résiste. Hein. Je veux dire les insultes de Sico. Et regarde, on a Julien qui fait Jean-Guy. Jean-Guy, il a un foire. Putain, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Jürgen! Et il n'a pas le même salaire que Klopp, hein, je pense pas. J'ai pas le même palmarès, surtout. Il n'y a pas la même équipe non plus, pas les mêmes joueurs. Moi aussi. On va t'appeler Jürgen. Bon, merci. Merci les amis. Ce Lens-Foot, le débrief touche à sa fin. Ça a été, Eric, pour ta première en direct live. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je ne les ai pas tous mis, sinon c'était une spéciale psycho. Mais énormément de messages là. Mais ça devient émission psychorat, c'est pas possible. Non, mais c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Après, le fait aussi qu'il y ait Jean-Guy ce soir pour ma première, c'est sympa et c'est marquant, ça rappelle pas mal de souvenirs, mais c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de partager ces quelques minutes et de parler foot et du Racing surtout. Et ça gagne en fait les coachs là ou pas? On va faire un petit point U19 avec écoute, tout, c'était notre première journée, on a joué à Fény, on a fait un partout. T'as joué en quel système? En 4-2-3-1, Sylvain, si tu veux savoir. Et puis après, Petit S. Non, mais après, voilà, on est tombé sur une belle équipe qui nous a posé des problèmes. On a 2 occasions de but dans les 5 premières minutes, on ne met pas. Après, il mène au score. Et puis on est resté, on a modifié un peu le schéma tactique avec un changement, on est repassé dans la possession à 5. On a fait un peu du l'ancien entraîneur du PSG, tu vois, quand on n'avait pas le ballon 4-2-3-1, quand on avait le ballon 5-3-2, voilà exactement. C'est un premier match de préparation. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Après, il faut qu'on fasse beaucoup plus dans le domaine technique et la dernière passe, mais. Voilà, c'est encourageant et je suis satisfait de la réaction des gamins en deuxième mi-temps. Tiens, on a Thierry qui fait « ça vous fait rire, bande de trompettes ?» Pour l'instant, c'est la première, c'est calme, on va pas s'emballer. Voilà, énorme, Captain Sico, trop plaisir de parler avec toi Eric, Captain Sicora. Ah oui, c'était la fameuse chanson, là, il met des petites notes de musique, DJ Fox. Par contre, vous m'avez demandé ce que j'ai fait, mais maintenant c'est à Jean-Guy de parler. C'était l'Olympique de Marseille, là. Gros talent d'acteur d'Eric dans les vidéos de présentation du mercato du Racing, dans la baraque à frites, etc. Si jamais ça marche pas avec les U19, il y a moyen que. Toi, tu commences à attaquer, toi. Mais non, je trouve que c'est toi, tu commences à attaquer, toi. Toi, tu fais le mariole et sur un parking en plein air, t'es enfermé, toi. Mais pour une fois, je suis chez moi. Souviens-toi l'année dernière. Jean-Guy, Fréjus, un mot sur Fréjus. On a perdu malheureusement contre la réserve de Marseille, un peu pas comme Monaco, mais on a eu pas mal d'opportunités. Dans nos temps forts, on ne tue pas, encore une fois. Et dans le peu de temps faible qu'on a eu, ça se paye cash. Donc on est un peu dans le dur en ce moment. Donc il faut,
faut en mettre un peu à l'ordre du jour. Le bleu de chauffe. Oui, le bleu de chauffe, mais le jeu aussi, parce que le contenu est important. Donc, on a toujours un match de retard, parce que la première journée, on n'a pas joué. Donc, c'est 3 points qui existent, mais on ne sait pas quand on va le jouer. Donc, il faut que cette semaine et déjà ce soir, on remette un petit peu d'ordre dans la maison. Voilà. Tiens, on a un message de Beno qui dit « Jean-Guy, c'est sa coupe de cheveux qui me manque. » Bah oui, bah, écoute, moi aussi. N'enlève pas la casquette, Jean-Guy. S'il te plaît, hein, enlève ta casquette. Enlève pas la casquette. Oh, moi aussi, ça va. Ah, le beau gosse. Rémi, je t'ai vu rigoler, Rémi. Rémi, je t'ai vu derrière, je t'ai vu. C'est pas beau, Rémi. T'es un bandito. Bandito, il nous dit Sico is the new Guillaume Canet. Bernard Canet. Ouais. Bernard Canet, c'est bon ça. Bon, allez, merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois de plus, très nombreux sur les réseaux sociaux. Salut. Demain, le replay de Lance Foot, le débrief dès midi sur toutes les plateformes de vidéos. Et puis, bien évidemment, Sico, à très vite. Jean-Guy, pareil. Bonne chance avec les U19. Continue avec Fréjus. Bonne chance à vous tous. Merci, ouais. Sylvain. Merci, Rémi. Rémi, salut. Tu diras bonjour à Macron. Hein, et puis, à bientôt. Bonne semaine, Alex. Les gars. Salut. Allez, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous. Salut. Ciao. Salut, Eric. Ciao.